Bonjour à tous et surtout excellente année 2016 à chacun d'entre vous. Pour bien commencer l'année et ses news, nous allons nous pencher sur les Game with Gold du mois de janvier. Vous pourrez ainsi télécharger gratuitement le jeu d'infiltration Thief jusqu'au 15 janvier. Killer Instinct Ultra Edition est aussi accessible avec une version qui inclut 8 personnages, 16 packs d'accessoires premium et des tenues. Pour rappel, Killer Instinct est pour sa part entièrement gratuit sur Xbox One. Sur Xbox 360, c'est Dirt Showdown qui est désormais accessible. Enfin, à partir du 16 janvier, le jeu de plateforme horizontale, Zeroes, sera gratuit sur Xbox One, alors que Deus Ex Human Revolution s'offrira aux possesseurs d'Xbox 360 et de Xbox One via la rétrocompatibilité. Toujours en parlant de 2016, Mike Nichols, le vice-président du marketing Xbox, vient d'annoncer et de confirmer les très belles sorties attendues en 2016, dont voici la liste. Le très attendu Gears of War 4 dévoilera sa bêta multijoueur au printemps et sortira en automne 2016. Quantum Break sera disponible dès le 5 avril 2016. Halo Wars 2 débarquera à l'automne 2016, aussi sur Windows 10. Crackdown 3 lancera son multijoueur à l'été 2016. Fable Legends proposera une bêta ouverte sur Xbox One et Windows 10 au printemps 2016. Record Sea of Thieves et le superbe Gigantic sortiront sur Xbox One et Windows 10. Killer Instinct Saison 3 sera lui dispo en mars. Gears of War Ultimate Edition débarquera sur Windows 10 au printemps. L'excellent Ori and the Blind Forest Definitive Edition bourgeonnera lui aussi au printemps 2016. Cobalt sortira sur Xbox One, Xbox 360 et Steam dès le 2 février prochain. Ouf. Du coup, Scalebound sera lui décalé à 2017 pour bien prendre le temps d'être au niveau des attentes qu'il a suscitées lors de la dernière Gamescom. En attendant tout cela, Forza Motorsport 6 continue de dévoiler ses DLC mensuels et cette fois-ci, c'est le pack Ralph Lauren Polo Red Car qui est à l'honneur. Vous aurez ainsi accès à 7 nouvelles voitures comme la Nissan Skyline GTR de 1973 ou encore la Mazda Formula de 2015. De quoi vous payer encore des tours de circuit au volant des plus belles voitures. Lara Croft débarque le 28 janvier prochain sur Windows 10. Si vous n'avez pas eu l'occasion de tester Rise of the Tomb Raider, cette version PC vous permettra notamment d'y jouer dans une version 4K. Après ça, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas partir à l'aventure dans les montagnes de Sibérie avec votre arc. Lui sera disponible dès le 19 janvier prochain. A Boy and His Blob est un jeu datant de 1989 et qui, suite à un relookage extrême, sera jouable sur Xbox One. Si vous aimez les jeux de plateforme à l'ancienne, alors vous apprécierez la mécanique du jeu qui consiste à utiliser votre compagnon pour avancer dans l'histoire. Vous pourrez ainsi transformer votre blob en enclume ou en parachute pour réussir des puzzles. Alors préparez-vous à libérer votre matière grise et votre âme d'enfant. Alors avec tout ce qu'il y a à venir et après les dépenses de Noël, quelques économies sont les bienvenues. Les bons plans Gold sont donc là pour vous permettre de commencer 2016 en toute sérénité. Ainsi, FIFA 16 profite d'une offre de 60% sur son édition Deluxe. Lara Croft et le Temple d'Osiris est lui à moins 75%, vous pourrez donc y jouer pour 5€. Et enfin, Badland profite lui de moins 67%. En 2016, on ne change pas nos habitudes et on se retrouve sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour toujours plus d'infos et de jeux. N'hésitez pas à partager. Bon jeu à tous et à très vite.